Je n'ai pas ouvert volontairement, comme par milliers de confusion, avec la société académique qui remet des distinctions honorifiques. Nous allons donc procéder à la remise solennelle de l'Ordre national du mérite à Madame Lucienne Moreau. Lucienne Moreau est une ancienne professeure de lettres et j'y reviendrai dans quelques instants. Je suis porteur d'un procès-verbal de remise de cet insigne dans l'Ordre national du mérite en étant, avec une lettre signée par le grand chancelier de la Légion d'honneur et parallèlement chancelier de l'Ordre national du mérite, délégué de la chancellerie de l'Ordre national du mérite. Et ce, mon procès-verbal est daté du 12 mars 2015. Je reviendrai tout à l'heure sur les raisons calendaires de l'explication d'aujourd'hui. Je vous demande, mesdames, messieurs, ainsi qu'à votre porte-drapeau, s'il vous plaît, de l'Ordre national du mérite, de bien vouloir prendre place à côté de moi à cette tribune. Je crois qu'on peut applaudir, madame.